l'audiovisuel spécialisé sur l'Afrique, notait qu'à la veille du passage au numérique, la vente et l'achat de contenu télévisuel sous toutes ses formes représentaient près d'un milliard de dollars, soit deux fois plus que trois ans avant. Sans aucun doute, le meilleur reste à venir pour le secteur audiovisuel en Afrique, et plus particulièrement en Afrique de l'Ouest. Mais ce fort potentiel de croissance du marché de l'audiovisuel dans son espace, voilà maintenant 15 ans que l'UEMOA, elle, en est convaincue et agit pour y contribuer de façon décisive. Les propos du président de la Commission sont assez éloquents à ce sujet, je n'y reviendrai donc pas. Permettez-moi simplement que je rappelle que l'adoption en 2018 de trois directives destinées à réglementer l'image dans notre espace constitue un acte fort destiné à répondre à deux grandes finalités. La première, une finalité économique, à travers la création d'un véritable marché de l'audiovisuel,